On a parlé de tourisme, vous faites la promotion, notamment l'étranger, de la Wallonie, de Bruxelles. Est-ce que ça a un sens pour une province de faire du tourisme quand on voit que, par exemple, les charbonnages qui sont maintenant des sites UNESCO, mais c'est une chaîne qui relie le nord de la France à Liège. Est-ce que ça a un sens de parler de tourisme en Hainaut? Ça a beaucoup de sens pour moi. D'abord parce que c'est une province assez exceptionnelle en matière d'offres touristiques. Je ne parle pas de l'aspect institutionnel, effectivement, et de la gestion, mais l'offre touristique en Hainaut est riche et plurielle. Il y a les charbonnages qui sont effectivement des sites UNESCO, mais il y a tellement d'autres choses. Et tout à l'heure, j'ai parlé de locomotives, mais il y a aussi des pépites. On n'a pas eu le temps de tout dire pendant le débat, mais des pépites, c'est quelques lieux d'exception, comme le Max, où viennent des gens du monde entier. L'art contemporain, c'est vrai que c'est une niche, ça ne s'adresse pas au grand public, mais comme le musée de la photographie, on vient des États-Unis pour voir des pépites qui sont en Hainaut. Donc pour moi, ça a du sens. Et est-ce que la province seule peut faire sa promotion ou bien justement elle doit s'inclure dans un cadre plus grand? Est-ce que finalement, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, on ne doit pas travailler plus ensemble, main dans la main? Je pense que travailler seul, ça n'a plus de sens aujourd'hui, hein. La mondialisation, ça vaut pour le tourisme aussi. Vous allez sur Internet et vous allez voir la concurrence. C'est un secteur hyper concurrentiel et il ne faut pas oublier que pour 300 euros, vous allez passer une semaine dans un pays du soleil en prenant l'avion. Donc c'est tellement concurrentiel et on a chacun seul, tellement peu de moyens, que si on ne se met pas ensemble, si on ne pratique pas un partenariat intelligent, notamment pour la promotion, eh bien on sera invisible.